Quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui. On va prier pour les malades, il n'y a pas de problème. Mais la véritable guérison, c'est celle du cœur. N'est-ce pas? Quand notre esprit est régénéré. Voilà. Est-ce qu'il y a des pasteurs parmi nous? Est-ce qu'il y a des pasteurs parmi nous? Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Soyez les bienvenus parce que nous a fait passer pour des gens qui n'aiment pas, des personnes qui n'aiment pas les pasteurs. Ils sont contre les pasteurs, c'est faux. Avec les pasteurs, les prophètes, les apôtres qui aiment la vérité, ben, on marche ensemble. Amen. Nous combattons les fausses doctrines, nous combattons, n'est-ce pas, le péché. Et nous avons tous un seul ennemi, le diable. C'est impossible! C'est ça la grâce. Il te justifie, le Seigneur, ensuite il te donne les moyens pour rester dans la justification. Il te transporte ici, il te donne les moyens pour rester dans le royaume, dans sa présence. Voilà. Mais il n'a jamais dit que ça allait être facile. Hein? Justement, parce que c'est la grâce, eh ben, tu vas être combattu dans ta chair, parce que la chair est toujours là. Regarde. C'est pas parce que tu t'es converti que tu as pris des centimètres. Vrai ou faux? Donc, plus tu t'approches de la grâce, plus les pensées impures se multiplient. Regarde, sous Moïse, Dieu disait, tu ne convoiteras pas, mais si ta femme ne te plaisait plus, tu pouvais écrire une lettre de divorce. Vrai ou faux? C'était la loi. Mais sous la grâce, le Seigneur dit, si tu convoites seulement pour... Oh, tu aurais une voix pour convoiter. Adultère. La barre est haute, parce qu'il y a la grâce. Alléluia! Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Le pasteur est à toucher. C'est magnifique. Oh, Jesus! Avant le Seigneur, il est tout. De ce monde, au péché restauré. Dieu l'a restauré, guéri. C'est bon, Julien. Jesus Christ. Oh, Jesus. La puissance de la résurrection, la puissance de Dieu. Dieu veut réveiller vos vies, Dieu veut restaurer vos familles. Alléluia. Ceux qui ont le don de prophétie, Dieu va les restaurer à toi aujourd'hui. Au nom de Yeshua, tu vas restaurer ton cœur. Alléluia. Pasteur a vécu une visitation. Je veux dire, c'est une visitation, une restauration. Alléluia. Il nous a dit que les hommes de Dieu, les pasteurs ne peuvent pas être restaurés. Dieu veut restaurer nos familles. Les femmes qui veulent se marier, les hommes qui veulent se marier, levez les mains. Et que je dise à la main, quand vous voulez parler. Venez, venez. Oh là 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 là
Dieu. Venez avec nous, on va prier notre Père Céleste. On va regarder déjà le parcours là-bas. C'est bon, là-bas, là-bas. On va arriver là un peu, voilà. C'est presque toute l'assemblée. Ok, attendez, il y a un témoignage fort ici. C'est beau, Dieu fait des choses terribles. Tu peux le dire, ma soeur? Alors, ils sont pas là, parce qu'il a un peu peur. On est divorcés et on veut se remarier, donc on est venu de France pour prier. Et c'est vrai qu'il est malade, il a une diabète très très grave, et j'aimerais aussi que Jésus le guérisse. Donc, tu, avec ton ex-mari, tu veux, vous voulez tous les deux vous remarier. Et... Oh, Jésus! Venir, hein, on va prier pour toi en même temps. Amen. Moi, je crois que Dieu peut te guérir maintenant même au nom de Yeshua. Ah oui, oui, frère. J'avais levé les mains ici pour dire que j'étais pasteur. J'ai été pasteur missionnaire pendant 18 ans dans mon pays. Et ça a été très dur après 18 ans de mariage avec mon épouse. On s'est séparés, divorcés. J'ai connu une terrible situation. Mais la grâce de Dieu a été là. Et là, je me suis avancé. Ce n'est pas pour trouver une nouvelle femme. Mais je veux me remarier avec ma femme. Ici en Suisse? Oui, on est au Locle, ensemble. Au demain, elle peut venir ou pas? On va l'appeler tout à l'heure. Tu as son numéro? Voilà, j'ai son numéro. Tu as là? On appelle tout de suite. Nous avons reçu le service de la réconciliation. Amen. Il est le roi. Le Seigneur est Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus.
Le Natel, on va la chercher. On va la voir là aujourd'hui dans la rue Yeshua. Ah. Et bénédiction familiale. Je veux me remarier avec elle. Allô? Papa, grâce à Jésus. Alléluia! Le numéro de la fille. Jesus. Qui réalise que Jésus n'a pas changé? C'est du tac au tac. Le Seigneur restaure des familles, des couples. Après ça, vous allez voir ce que Dieu va, comment Dieu va utiliser ce frère. Vous allez voir. Vous voyez comment Dieu l'a saisi là-bas? Quelque chose est sorti et parti. Là après, là. Satan est menteur. Il ne va pas tuer les hommes et les femmes de Dieu. Nous refusons cela dans Yeshua. Ah non. Dans notre royaume, il n'y a pas de divorce et remariage. Ah non, on ne voulait pas faire, on veut pas faire honte à notre père. Pas de honte. Allô, petit, tu es avec ta maman? Mais on va transmettre le message. Je ne sais pas s'il faut. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est le frère Chorap et tout, ça va? C'est qui? C'est un frère, un chrétien, un frère Chorap et tout. Oui, d'accord. C'est le terme de Dieu. Je suis avec papa. Oui. Devant l'assemblée, Dieu l'a touché, l'onction est venue sur lui. Uh-huh. Et là, il a pleuré, il pleure, il s'est repenti, il dit, je veux retrouver ma famille, ma femme, tout ça. Uh-huh. Donc, alléluia. Oui. Gloire à Dieu. Ta maman n'est pas encore arrivée avec les autres? Non, j'ai dit à Yaya qu'elles viennent d'atterrir à Zurich, elles sont dans la voiture. Ah, c'est ça. Donc, alors, tu l'as... On peut joindre qui? On peut joindre qui? Il faut transmettre le message. Il faut transmettre le message exactement comme cela. J'ai été touché et le serviteur de Dieu a demandé pour ceux qui veulent se marier. Et je me suis avancé, j'ai dit, je ne veux pas me remarier à une autre femme, mais je veux me remarier à ma femme. Donc, alléluia. Allô? Oui, je suis là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut joindre maman? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec elle, qui a un téléphone, que l'on pourrait éventuellement appeler? Écoutez, mon papa, il a le numéro de portable de ma maman, donc il peut appeler dessus. On a appelé. On va réessayer une dernière fois. Voilà, on va réessayer une dernière fois. S'ils n'entendent pas, parce que je pense qu'ils ont trop de bruit dans la voiture aussi. Voilà, on va réessayer, la gloire à Dieu. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Alléluia. 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 Seigneur, permets que cette dame décroche au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur Yeshua. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh. Seigneur, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Jesus.
décroche là-bas, là, dans ta voiture. Là, donc, elle a décroché. Bonjour. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est ma soeur Manita. Non, merci. Est-ce que je peux avoir maman, s'il te plaît? Non, parce qu'elle conduit. Elle conduit. Est-ce que tu peux mettre le haut-parleur, s'il te plaît? Oui. Attendez, calmez-vous s'il vous plaît. Il y a une belle surprise pour maman. Allô? Oui. C'est bon? Oui. Ma soeur Manita? Oui. C'est le frère Chora Poitou de tes vœux de vie. Le frère quoi? Chora Poitou de tes vœux de vie. Là, l'onction, nous sommes en réunion ici dans la salle où nous sommes à Genève. La gloire de Dieu est tombée sur nous, là, ici, là. Et attends deux secondes. Tu dois reconnaître ma voix. Ouais. Je suis venu à cette réunion avec Johan. Et j'ai été touché d'une manière très profonde. Délivrance, guérison. La conviction que le Seigneur m'a redonné une onction nouvelle. Et le serviteur de Dieu a appelé les gens qui veulent se marier. Moi, je me suis avancé parmi les gens qui veulent se marier, mais j'ai dit, je ne veux pas me marier à une autre femme, je veux me remarier à toi. Amen. Alors, la balle est dans ton camp, que le Seigneur te bénisse. Amen. Okay. Gloire à Dieu. Alléluia. On va la rappeler tout à l'heure. On va parler avec elle. Notre Dieu a commencé cette œuvre, il va l'achever. Alléluia.